nous revoici dans Pokémon. Quand aussi, Mystique Viper, et j'avais oublié ce petit truc. Ouh, un échantillon ADN. À qui pourrait bien appartenir cet ADN? Nous le saurons dans le prochain épisode. Non, ça fait quand même bien court comme, comme épisode. Voyons voir. Nous sommes toujours dans le laboratoire. Je ne peux pas l'utiliser. À tous les coups, c'est leur version de leur fossile. Maintenant, nous allons partir en haut. Parce que je l'ai décidé. Je ne sais même pas où je... Bon, bah, y a un ennemi, donc ça veut dire... Hey, il doit y avoir des choses intéressantes sur le côté. Je me tiens à... Pas une règle, mais bon, mon petit défi personnel qui est de ne pas ressortir pour aller au centre Pokémon ou acheter des trucs. Pour le moment, je suis toujours... Depuis le début, depuis la précédente vidéo, voilà, encore ici, j'aurais peut-être dû soigner Meganium. Qu'un Pokémon qui est... Oh merde. Alors, les deux, je ne sais pas s'ils seront rapides, mais j'ai absolument besoin de faire ceci immédiatement. Et ça. Et que Mentally augmente de niveau. Bon, ben c'est déjà bien parti. Ok, on a bien régénéré. Ah, tu connais des attaques de type vol, toi? Bon, heureusement, ça fait pas trop mal. Merci, la protection. Ah oui! Ah ouais, quand même! Alors, vous êtes tous de type normal, si je m'en souviens bien. Alors bon, le mur lumière, on s'en fiche. Voilà. Tu prendras peut-être de niveau. J'ai oublié même. Alors, c'est le Grand Ball qui est... C'est Grand Ball qui est... obscur, je crois, me semble. Oui. Alors, je sais pas si je vais l'attraper. On verra. Tente un peu de le frapper. Voilà mon mur de défense. Mon mur de défense qui n'a pas de point de vie. Donc j'avais posé la question au niveau de, bah, de la Pueblo Ball. Et effectivement, oui, c'est quand le Pokémon est en dessous du niveau 30, et j'ai un peu fait mes vérifications, il y a un multiplicateur pour les Pokéballs, pour leur efficacité. Donc il vaut mieux qu'ils soient en dessous du niveau 30, voire même carrément en dessous du niveau 10, 15, pour que la Pokéball soit beaucoup plus efficace. Sauf que vous avez bien vu dans ce jeu, il n'y a pas un seul Pokémon en dessous du niveau 30. Bon, certes, il y a eu le Remoraid. Mais c'est tout. C'est tout. C'est le seul Pokémon en dessous du niveau 30. Je crois qu'il y a aussi un Toketic. Mais à part ça, il n'y a rien. Le Posepi, on l'obtient directement. Ça sert à rien. La Pueblo Ball n'a aucune utilité dans ce jeu. Ce qui me mène à cette théorie. Peut-être que le jeu, au départ, devait être... aussi long que XD, mais par perte de temps, non, par manque de temps, voilà, ils ont dû raccourcir le jeu et donc il fait qu'on a des Pokémon de plus haut niveau. Peut-être, hein. Théorie, encore une fois. Ah, c'est même pas super efficace. Quel deuxième Pokémon? Inéon. Vous avez encore un Inéon. C'est bon, c'est pas Cacnea, mais... On est pas loin. Bon, ce flair ne va pas te servir à grand chose. Ah! C'est pour ça que maintenant t'attaques beaucoup moins rapidement. Pour ça, je savais que ça allait pas faire beaucoup de dégâts. Comme d'habitude. C'est surtout le lance-flamme qui vient après. Voilà. Peut-être un niveau supérieur. Allez, Mentally. Ah mais merde, non, c'est vrai que Mentally, voilà. C'est pour Grand Ball. Baisse donc mes stats, ça sert à rien. Oh, ça va faire un peu plus mal que d'habitude, ça. Allez, mon petit Volcaropod, lui fait pas trop mal.
mais ça rate de toute façon. Bingo, je te tiens. Ah, et bah voilà. C'était pas compliqué comme combat. Même si Mentally encore une fois failli mourir. Il y a beaucoup trop de chemin, il y en a un à droite, il y en a un en bas à droite aussi. Ah, voyons voir ce qu'il y a dedans. Il y a une chose qui brille là-haut. Guérison. Ah, ça c'est bien. Peut-être pas l'utiliser à ce point du jeu, mais c'est bien. Un échantillon d'ADN, encore. Ne me demandez pas ce qu'on va faire avec ça, vraiment. Caché. Oh, tu peux passer entre les deux. Viper. Tu peux passer au-dessus, Viper. C'est des comptes. Oui, bah c'est des comptoirs. C'est... Pour Viper, c'est impossible. Ce sont des caisses ou même des tables. Peu importe. C'est... Ah. Il faudra coup de pied, Spartakick, et c'est fini. Scientifique Nicolas. Waouh, quelle originalité! On va encore une fois être des Pokémon super rapides. La protection tout d'abord. Ah, c'est pas la personne... c'est pas le Pokémon que je croyais. Ouh oui, on va augmenter votre défense. Enfin plutôt, ça diminue de moitié les attaques, l'attaque de l'ennemi. Allez savoir. Juste utiliser ça et ensuite attaquer. Rafale Psy. Ah, c'est les deux seuls Pokémon qu'il a. Pourquoi vous l'attaquez lui? Je comprends pas l'IA certaines fois. Merde, peut-être pour cette raison. Allez, Corias. Bon, une attaque useless. Allez, tu peux le faire. Coup de main. Vas-y, je n'ai pas de main. Étincelle, Sonic Boom, grincement. Météore. Ok, ils ont pas destruction. Si, ils ont tous les deux les mêmes attaques. Oh, ce coup de main t'a servi à rien. Et puisqu'il ne décide pas à lancer son tranche-herbe, t'auras pas le droit à mon coup de main. Presque. Ah bah voilà, il le fout son tranche-herbe. Enfin. Oui, Mentally a monté de niveau. Enfin. Pour pas monter en défense. Après, à peine. Tant qu'il apprenne Psycho. Le labo est fermé, il m'a tout l'air d'être actif avec tous les gardes qu'il y a à l'intérieur. C'est le petit menteur. Un autre échantillon d'ADN, est-ce qu'on a dîné ? Oui, bien sûr. À quoi ça va servir au final ? On verra ça. Bon alors, les ascenseurs à droite maintenant ? Amstram, Gram, gauche. Bonjour. Que font des intrus ici? Point d'exclamation. En train de mettre mes mains dans les poches. Oh tiens, coucou. Ça baigne les gens. Salut les copains, ça boum.
Ah, j'en connais un qui va adorer être sur le terrain. Dans ce puits. Oh fuck, ça sent le Fatal Foudre. Bon, le Pokémon Feu, je sais pas s'il va bien. Mais en tout cas, on monte notre défense comme d'habitude. Ouais. Oh, ça va. Je vais l'enlever ton putain de danse pluie. Ah bah lui aussi, il a le Fatal Foudre. Je vais prier pour qu'il rate son attaque. Ah non, j'ai 20%, 30% de chance environ. Fuck. Merde. Ça n'aura pas servi. Au revoir, Metalli, encore. Ouais, c'est vrai que j'ai pas encore Fatal Foudre avec toi. Enfin, hein. Donc la danse lui ne servira à rien. Bon, j'ai plus qu'à espérer que ça fonctionne quand même. Le magnéton, je sais qu'il va viser. Noctali aurait peut-être été un meilleur choix. Allez, fais de ton mieux. Avec le danse lui, fais de ton mieux. Ah, c'est pas mal. Ton mieux est pas mal. T'es brûlé sous la pluie. Voilà. Ne sous-estimez pas les Pokémon l'eau tiers. Oh non. Oh non. Bonjour mon clone. On va le rappeler. Coucou. Et un niveau de plus, mais j'ai probablement une attaque en moins. Non, vos types... Fuck. Vos types électriques seront inefficaces. Enfin, pratiquement inefficaces. Presque. Oui, pas presque. Putain, 4... Plus 4 d'attaque spéciale, Volcaropod. Plus 3 de vitesse, c'est quoi? C'est quoi cette sorcellerie? Merci les EV. Je crois. En espérant que ça fasse le taf. Ouais, danse lui forcément. Pourquoi ils en veulent tous à Pharan les Pokémon de type... Allez, dernière chance. Mais merde! Non, je vais pas utiliser ton. Je vais pas utiliser guérison maintenant. Devrait y avoir un sort de Pokémon par ici. J'ai plus de PP pour trancher, mais j'ai déjà utilisé mes huiles pour zéniter. Et synthèse. Ah voilà! Enfin, tu rates tes attaques! Ouais. Oups. J'ai vraiment utilisé trop Meganium. Qu'il a danse pluie aussi. Bien sûr. Voilà ce que j'en dis de ta pluie. Non. Au moins il a pu rater deux fois de suite son attaque. Bon, ça se jouera sur l'endurance encore une fois. J'aurais peut-être dû faire ça en premier. Waouh, t'avais ça depuis tout ce temps. Et tu l'as pas utilisé. Voilà. Ça a pris 3 plombes comme avec comme la plupart des combats avec Noctali, mais. Eh, au moins on y arrive. Doucement mais sûrement. Oh, il a l'air d'a. Je peux vraiment pas lui foutre un Spartakick, on y est, laisse-moi faire. Merde. J'ai pas soigné mes Pokémon. Là, ça va être compliqué.
Oh, et Kadabra. Oh non. Oh non. Bon, j'ai Noctalie. Et Volcaropod. Qu'est-ce que tu fous là? Est-ce que c'est Kadabra? Coucou, je suis un type ténèbre. Pas comme si Noctalie en avoir forcément besoin, mais hey. Oh, Dracofou, c'est quoi ça? Bon, ça va pas leur faire trop mal. Je peux plus attaquer avec ce Meganium, c'est vrai. Mais si je le remplace, je mets en danger les autres Pokémon qui sont déjà mal en point. Ok, bon, je crois que je n'ai pas trop de choix. Voilà. Ça va, vous tenez le coup. C'est bon, j'ai compris, tu t'es fait mal. Merde! Moi, ce qui est bien, c'est que je peux utiliser des tours de Meganium pour faire ça. Ah! C'est mieux que mieux. Imitation. Ah, j'avais oublié ça! Ouf! Ouh, c'est bon! Alors, vu que je suis passé dans la zone rouge de mes points de vie, est-ce que mon engrais fonctionne malgré tout après m'être soigné, ou ça fonctionne vraiment que vraiment quand je suis dans le rouge? Ça pourrait fonctionner, j'ai activé la technique, en étant dans le rouge, je me suis soigné, bam! Ça devrait encore fonctionner! Et les dents. Un autre niveau 43. Putain, c'est attrapé. Non, c'est pas attrapé ça. Ah oui, c'est un NLL. Bon. Bonne chance, Meganium. Merde! Voilà, ils vont m'envoyer que des attaques de type physique. Ça va pas être très efficace. Le mur lumière. Attention! Oh. Oh. Pas grandiose tout ça. Tourbissable, Kezako. Oh, n'oubliez pas que c'est comme une étreinte. Ah! Il faudra pas s'enfuir. Enfin, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup trop Meganium en parlant de... Bah voilà, en parlant de lui. On voit beaucoup trop Meganium sur le terrain. En même temps, on est dans un donjon où il y a primordialement des Pokémon de type électrique. J'ai un peu peur pour mon Suicune, entre autres. M'en fous que tu voles. Bim. C'est un paradis défensif. Pendant ce temps-là, Noctalie, c'est le véritable tank, car il prend pas de dégâts. Et il s'est pas attaqué du tout. Allez, prochain tour, je t'attrape, toi. Toi, si t'es pas un type insecte, je ne sais pas ce que tu es. Peut-être partie dragon insecte. C'est peut-être dragon roche. Oh merde. Oui. Ok, Cléo. Un autre niveau 43. Oh, c'est bon. Je veux de l'XP, diable. Ah, merde. Bon. C'est un peu la merde, là. Allez, go, Suicune. On va faire chier le plus possible. Une seconde, la glace, c'est pas efficace contre le vol. On va voir ça. Pas attaquer Kecleon d'abord. Pas tout de suite. Oh,
J'espère que ça le tue pas d'un côté. J'espère que ça sera pas super efficace. Merde, bon. Non. Ok, Kikléon, ça va être un souci. Parce que il va changer en type ténèbre. Ouais. J'avais dans l'idée au départ de foot surf. Et ensuite il prend le type eau. Et Pharaon ensuite le tuera. On va voir si ça le change. Ah mais si je fous toxique, peut-être qu'il se mettra en type poison. Ok, c'est guise en type eau. Enfin, transforme en type. Puis je dis ça, mais Pharaon il est vraiment pas en bonne posture. Je pense que le plan va être un tout petit peu annulé. J'ai vraiment pas beaucoup de Pokémon. Je pense qu'il faut que je le fasse de toute façon. Ouais, t'as dû me faire sur le tour de Noctali. Et quand j'y pense, de toute façon, il n'y a plus beaucoup de points de vie. Il serait mort de toute façon avec un surf. Qu'est-ce que je fous, moi? C'est une bonne stratégie en imaginant que le Kecléon, il prenne pas de dégâts. Ah bon. Peut-être au cas où il me raterait. Non, bon, bah d'accord. Alors, ce que j'avais en tête n'était pas utile. Oui. Votre pire dresseur de Pokémon, à votre service. Quelle puissance, encore une fois. Et quelle puissance j'ai. Je suis vraiment pas terrible. J'ai que deux rappels. Est-ce que je prends le risque de continuer jusqu'à ce que, par chance, on tombe sur... je sais pas moi, là... Pas un centre Pokémon, mais un... guérisseur de Pokémon. Bah, les rappels, je peux toujours en racheter. Par contre, c'est les potions. Potion max, par exemple. J'ai combien de Pokédollars? Oh bon, ça va. Je vais pas épuiser le dernier potion max, au cas où. Ok, il y en a un devant. Réparons. Déverrouillé. What? Quoi? Non. Qu'est-ce qui n'est pas légendaire, ces trois-là? Non, ce sont les trois autres non plus. Qu'est-ce qui est de type O? Attends. Peut-être trois types similaires? Non, il n'y a pas trois types similaires de toute façon. Feu, feu. Ah! Non! C'est Rayena, ça. Va savoir, j'en sais rien. Alors retournez plus tard. Bon, vous avez mis la arme. Ok, d'accord, je m'enfuis. Je vous viendrai plus vous importuner. Vous importuner. Alors, ascenseur de droite. Je ne suis pas un intrus. Attendez. Un analyseur d'ADN. Ah, c'est à ça que servent les échantillons. Suicune. Voyons voir le deuxième. Raikou. Et Entei, ça avait pas marché. Whoops. Feu Forêve. Ok. Maintenant, j'ai mes trois Pokémon.
Ça va, j'ai vu du plus difficile comme défi. Attendez une minute, mais il nous regarde depuis la... La porte est fermée. Comment il peut tenter de nous tourner la tête? Il nous voit pas. Alors, je suis qu'une. Raikou, revive. Coucou. Je ne suis pas là. Tu me regardes, mais je suis pas là. Oh merde, c'est lui. C'est le scrub. Attends, il a encore son capoeira, lui. Il a encore son capoeira. Cette fois-ci, je vais te l'attraper. Il est toujours niveau 38. Ah, mais le reste, il a augmenté. Je ne suis plus le même qu'autrefois. T'as combien de Pokémon? A tous les coups, il va y en avoir 6 maintenant. Non, 4. Oh, ça va. C'est faisable. Bon, déjà, Zenith, non. Non, lumière, non. Non, c'est... Il va utiliser primordialement des attaques de type physique. Peut-être que surf aurait été mieux. Bon, toi, il faut que... Ça a pas suffi. Surf aurait peut-être suffi. Triple pied. Wow. Quoi? Touché une fois. Ah oui, tu connais Ampleur. Ah oui, mais c'est vrai que Meganium n'en a rien à foutre. Ah oui, c'est vrai que Capoeira risque de crever. Bon. Ah mais dans tous les cas j'ai même un niveau supérieur. Alors je vais tenter de t'attraper Capoeira. Je ne te promets rien, je vais tenter de te sauver. Allez Capoeira, c'est de bonne guerre. Voyons, tu dois te laisser attraper. Non, même maintenant il est récalcitrant. Déjà un de moins. Et un de moins. Qui perle encore. Bon, Pharan, il n'est pas là. J'avais prévu de faire de spammer hurlement sur lui. Justement pour pas que son Pokémon puisse attaquer. Peut-être ça fonctionne. Jamais essayé. Ah, j'aurais peut-être dû tenter de lancer une Pokéball. Quand j'y pense. Mais il y a peut-être possibilité que je le gèle. Aïe. C'est quoi ce triple pied qui ne touche que une ou deux fois? Ah, ça, ça va être chiant. Ah non, pas tellement en fait. C'est pas vrai. Juste une attaque filler. On doit peut-être l'appeler aussi. Parce que ça profite à Cookie Pearl. Aïe. Aïe. Ah oui, merde. Ouf. C'est tout ce que fait Blizzard. Putain. Je pourrais pas aussi bien le régénérer, je suis con moi. Ok d'accord, Meganium il est out. Allez, on va buter du Cookie Pearl. Même si ce n'est que fois 1, le grand événement sera de t'attraper. Tu auras l'honneur de rester dans cette salle. J'ai plus qu'une hyperbole.
Voilà. Bon, ça... Ça, je m'en suis occupé. Oh, merde. Oh non, encore! Ah, je suis bloqué. Je suis foutrement bloqué. Bon, bah, j'ai plus qu'à espérer. Je ne sais pas combien ça fait de tours, mais je compte bien utiliser ces Pokéballs là. Oui, enfin! Putain de capoeira! Je t'ai eu! Du coup, cette protection n'aura servi à rien. Ouais! Que Butoke soit gentil! Merci! Ouh, ouh. Bon, ça fait un Pokémon TV. Je vis tête de bite! Ha! Si tu envoies ton voile miroir sur le mètre. D'ailleurs, je me demande si le voile miroir il est universel. Si ça compte. S'il l'envoie sur un personnage, enfin sur un Pokémon. Est-ce que ça veut dire que... Attendez... Ouais, non, ok. Je pensais qu'il l'envoyait direct au départ sur Mentally. Qui dirigeait le voile miroir sur Mentally. Donc c'est uniquement les dégâts que Mentally inflige qui devraient compter, mais en fait non. Donc je vis pas tant que ça, tête de bite. Ouais, mais tête de bite quand même, hein. Attendez, regardez-moi cette tête. Ah, la bonne vieille équipe. Vois le miroir, moi ça. Merde, il est mort d'une crise d'épilepsie. Ce combat était rude. Principalement à cause de la capture de Capoeira. Get Rex Scrub. Tu rejoindras Tug aussi. Non. D'ailleurs, je sais même pas s'il était arrivé à sur Rebe. Oh. Ce sont des cercueils géants. bonjour. C'est toi qui as un Raikou? Non, enfuis-toi, Viper. Tu dois soigner tes Pokémon. Attends, ok, d'accord. Oh, je vais crever. Je vais trop crever. Oh, mais en plus, si c'est ces deux-là, là. Oh, non. Non, 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 et non. Je n'abandonnerai pas malgré tout. Oh. Bon, ça servira à rien de toute façon parce que tu vas crever. Ah, oh merde, j'oubliais que t'étais. Ah, on m'a un de moins. Ça servait beaucoup de te soigner. C'est tout? Attendez, c'est pas un petit vol? Ou alors y a un truc, je sais pas, pas roche. Plante? Ça n'a aucun sens? Non. Non. Qu'est-ce qui rendrait ça moins efficace alors? On verra. Oups. Bon, ça servira quand même. Fuck.
me tape toutes les altérations d'état qui font chier. Est-ce que je devrais abandonner direct? Ou est-ce que je devrais vraiment donner tout ce que j'ai? Tu me gèles encore, saloperie. Oh, vous avez toutes des attaques aussi puissantes. Pour la postérité, tu es au moins un Pokémon. Je sais que tu vas mourir déjà. Je sais que tu vas être le premier à être attaqué. Donc au moins, tu serviras à ça. Allez, Noctalie, à toi de faire de l'XP. Et bien sûr, j'ai attaqué le Pokémon qui a le plus de... Je croyais que ça allait faire plus. Non. Ouais, mes mauvaises décisions. Ah, un moins. Bonjour. Il y a l'air d'avoir surtout des Pokémon type eau et probablement électrique en même temps. Aïe. Mais c'était peut-être ça. Il était peut-être aussi de type électrique, son piaf. Voilà, hors jeu. Ça faisait plus longtemps, tiens. Est-ce que j'ai perdu de l'argent? C'est surtout ça. Ils m'ont enlevé la moitié de mon argent, ce connard! Dites ce que vous voulez du donjon avec Boule Disco, qu'il soit long et tout. Au moins, il y avait un centre Pokémon, enfin un centre Pokémon, un guérisseur juste avant le boss. Maintenant, rends-moi mon argent, espèce d'escroc! Je vais brûler tous les boucs. Ah, il a changé de. Il le savait. Il le savait. C'est pas bon. Pas bon. Ok. Meganium, tu dégages pour Pharaon. Ouais, il semblait décidé à attaquer Meganium encore une fois. Meganium, le paratonnerre. Mange ça! Pourtant, les enfants adorent les glaces. Arg! Ouais, ils sont décidés à me rendre complètement starbe. Pourquoi ça fonctionne jamais le gel avec moi? On rigole moins maintenant. Ouh, c'est bon, je suis passé la confusion. Ça fait bien mal. Oh, je sais pas à quoi t'attends, mon vieux. Ah mais oui, de toute façon, ça va rien vous faire. Ah. Il va voler. Ah non, même pas. C'est bien ça. C'est parfait. Suicune, te mange pas la confusion. Oh, de toute façon, il l'a même plus. Ah, ça non plus, c'est pas très efficace. Merde. Oh fuck. Pharaon a vraiment la migraine. Et oui, il aura vraiment besoin d'une civière. Ça va pour le moment.
juste deux Pokémon utilisés. Toi par contre Kezako. Aïe. L'entraînement n'aura pas duré longtemps, Pharan. Et maintenant, voilà. Mon seul et unique Poké. Ah non, il y a Meganium encore. Chance. C'est vrai qu'il y a Danse Pluie sur le terrain aussi. Meganium. Juste. Ah bah oui, en plus, j'ai des attaques glace, mais ça va pas faire. Ça va pas être super non plus. Déjà, on va enlever cette espèce d'énergumène qui est Danse Pluie. Voilà, lancer un peu des attaques d'eau maintenant. Là, ça va stagner de toute façon le combat. Est-ce que le type sait qu'il a déjà foutu en folie sur moi? Bon, Suicune. Ah bon. C'est super efficace, bon, on dirait pas. Ça, c'est un peu mieux. Son lanceur a l'air d'être vraiment craqué. J'en profite que son attaque ne soit pas baissée, mais de toute façon, c'est pas terrible. Avec moi, vous allez le lancer longtemps dans ce pluie. D'ailleurs, Lantern n'est pas supposé avoir des attaques de foudre. Pourquoi il les a pas utilisées sur Suicune? Tente un peu. Allez, vous allez encore une fois gaspiller un tour. Ça, j'aime bien ça. Oui, la fatale foudre. Ouais, bon, il aurait attaqué Suicune, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Vous voyez votre attaque devenir complètement inutile maintenant. Ouais, l'adversaire est vraiment con. Je vais gagner sur l'usure. Je vais me garder surtout Zenith pour la toute fin au cas où. Quoique non, son dernier ça doit être forcément Raikou. Donc Volcaropod restera là où il est. Alors vous allez forcément mourir tous les deux. Quoique pour foutre le sommeil, ce serait bien que je mette Volcaropod. Ça serait bien. Vous voyez la différence avec tout à l'heure où j'avais plus que 4 Pokémon et qu'ils étaient complètement out. Quelle maîtrise maintenant. Et tout à l'heure c'était, oh mon dieu, c'était une catastrophe. Un énorme désastre. Eh, comme quoi suffisait qu'il y ait une putain de machine pour guérir mes Pokémon juste avant le boss. Ça ira, tout va bien. Pour tous les combats de Colosseum, pourtant vous soignez nos Pokémon à chaque fois, mais là par contre, non, il ne faut pas. Voyons voir combien de dégâts ça va faire. Une blague. Parce que tout le monde sait que Meganium et Noctalie ont tous deux besoin d'expérience. Oui! Wow, là c'est beaucoup mieux, Suicune. Toujours niveau 40 sur Raikou. Ah! Et là, tu vas pas nous faire chier avec ton fatal foudre.
Putain, il est plus rapide que nous. Oh, ça va, ça fait pas trop mal. Je ne suis plus confus, mais toi, tu vas l'être. Ah, ça, par contre, faut que je le remette. Ouf. Ça va, ton Raikou connaisse pas lance-pluie? Lance-pluie! Ça va, je suis habitué aux Pokémon qui apprennent des attaques complètement inhabituelles. Fouinard, lance-flamme! Magikarp, Zenith. Même si c'était un Remoraine, mais c'est la même. Pour moi, c'est la même chose. Ça ne devrait pas apprendre lance-flamme! Ça devrait pas apprendre Zenith! Pourquoi pas? Imaginons Remoraine puisse apprendre lance-flamme. Ça m'aurait pas étonné à ce moment-là. Ouais, c'est bien Meganium que je souhaite changer. Ah, il rate encore. Parfait. Je sais que Zenith maintenant va servir à rien. Je pourrais tenter de le tuer, mais ce serait con. La confusion. Oh, il rate toutes ses attaques, donc bon, la confusion, c'est pas trop grave. Ah, je pense que ce sera la dernière attaque que je lui lancerai. Bon, le Carapod qui a déjà une attaque moins grande, il va utiliser Jet Pierre qui a une moins grande attaque que Feinte. Ça devrait fonctionner. Ah non, 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 pas d'autre folie, on va l'appeler. Coucou Noctalie! T'es fan que je t'appelle derrière. Oh merde, j'ai oublié ça. Oh, ok. J'ai cru que la confusion allait passer. Elle a tellement marché beaucoup de fois, c'est dire. Voilà. T'es parfaitement là où je le veux. Oui! Maintenant il est temps de passer à l'action. Ce fut un long combat. Haha! Il est temps que ça paye. Eh ben ça va pas payer du tout. Vas-y, ferme les yeux. Noctalie, vous avez réveillé Raikou, quoi. Ah, il dort profondément. Encore heureux. Alors probablement que l'hyper va fonctionner, n'est-ce pas? Oui. Yay. Prochaine étape, Entei. Ah là, on fait moins le malin maintenant quand mes Pokémon ils sont à un niveau égal au tien. Enfin, à vie égale. Non, non, t'as pris plus de monnaie que ça. Rends-moi ton connard. Spécialement créé pour le chef. Ça peut être qu'un Pokémon légendaire vu que vous avez déjà des légendaires dans votre putain de Pokéball. Oh, Discorum. Qui utilise encore des disques, voyons. Nous sommes dématérialisés. Voilà. Je crois que j'ai oublié une CT. Enfin, j'ai oublié une boîte dans le lot. C'est quoi ce que j'ai eu? Séisme. Ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup mieux. Ah, ah. Oh, Volcaropod est apte. Je vais le donner à Volcaropod pour la simple et unique raison que si c'est lui qui se mange le séisme, c'est lui qui va avoir super mal. Ok, qu'est-ce que je peux... Bon, jet de pierre. Je pourrais remplacer jet de pierre. Allons-y. Même si son attaque n'est pas spécialement terrible, bon. Je préfère me dire que c'est Volcaropod qui a cette attaque plutôt que Meganium.
Parce que si c'est Meganium qui prendra l'attaque, enfin qui fait l'attaque et c'est le Volcaropod qui prend le coup. Ah! Aïe aïe aïe! Ouais, ça. En espérant qu'il monte bientôt d'attaque. D'attaque normale. Si Séisme ne pouvait pas toucher mes autres Pokémon, je l'aurais donné à Meganium sans hésiter. Et encore, j'aurais remplacé 4 techniques. Mieux en lumière peut-être. Mais il n'y a qu'une seule technique que je souhaite remplacer, c'est Trancherbe. Et je sais avec quoi je vais remplacer. Mais pour cela, il faudra que j'attaque, ouais, si on veut. Il faudra que je finisse le Colosseum de Phénacite une troisième et une quatrième fois pour obtenir la CT que je souhaite. Ah, il faudra retourner à Surébé ensuite. En tous les cas, voilà. C'est terminé, ce laboratoire Pokémon est terminé. Ce qui est probablement, je pense, la plus grande partie du jeu. Enfin, le plus grand donjon du jeu. Et sur ce, je vais vous laisser. C'était Vic Viper. Et je vous retrouve dans le prochain épisode de Pokémon Colosseum. Après une bonne petite séance de farm. Au moins, deux Colosseums. Au revoir.